La petite astuce Notion du jour, si vous utilisez Notion pour créer du contenu et stocker tous vos brouillons de posts, lorsque vous allez vouloir copier-coller votre post directement dans LinkedIn, vous allez perdre complètement la mise en page. Je vous montre, vous voyez, il a perdu tous les sauts de ligne, tous les tirets. Alors qu'il suffit dans Notion de créer plutôt un bloc de code sur lequel vous allez taper votre brouillon, et lorsque vous voudrez copier-coller votre texte issu du bloc de code, il vous gardera, comme par magie, la mise en forme avec le saut de ligne, les petits tirets qui vont bien. Pour créer un bloc de code dans Notion, il n'y a rien de plus simple, vous mettez à la suite de votre page, vous faites slash et vous tapez code, et là vous avez directement accès à l'éditeur de code. En théorie, c'est fait pour les développeurs, pourquoi pas l'utiliser pour sa création de contenu. Vous pouvez même créer un brouillon que vous appellerez brouillon de post LinkedIn, dans lequel vous avez mis un encart de post directement à l'intérieur, ce qui vous évitera à chaque fois de le rajouter.